Bonjour les amis du Chronique Guinness TV. La vidéo ici, c'est pour les gens qui veulent trouver de l'emploi qui paye tellement bien ici au Canada. Alors, je sais que beaucoup pensent que je vais parler de travaux comme de la médecine, être docteur, je ne sais pas, en sociologie. Non, ce n'est pas ça. Ici au Canada, ce ne sont pas les diplômes qui comptent, mais c'est ton intelligence, quoi. Je ne parlerai pas d'argent comme beaucoup y pensent. Souvent, nos familles et nos parents nous poussent à faire des choses, tantôt selon leur volonté, selon leur vision. Nous, les enfants, nous avons aussi souvent notre propre vision. Il y a des fois, les parents nous envoient dans des écoles pour devenir peut-être docteur en sociologie pendant sans notre gré, sans notre volonté. Mais on l'a toujours fait pour satisfaire à nos parents. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des travaux ici au Canada, aux États-Unis, les travaux qu'il faut vraiment, qui donnent de l'argent, qui donnent des pognons, sans avoir beaucoup de qualifications, soit sans avoir beaucoup de diplômes, des doctorats, n'importe quoi. Mais avec une petite certification, vous allez vous retrouver, être responsable et avoir des pognons, de l'argent dans votre compte, quoi. Il y a les travaux, ce ne sont pas les travaux qui demandent vraiment beaucoup d'énergie. Ce ne sont pas des travaux, d'emploi qui te font encore beaucoup de connexions comme ça se fait aujourd'hui. Mais je vous dirai directement que les emplois ici au Canada, surtout nous les immigrés, les conseils que je donnerai aux gens et surtout les vidéos que je suis en train de faire ici, la vidéo ici précisément, je ne suis pas expert à tout, mais je vous donne mes points de vue, mes points de vue de ce que je vis, de mes amis, mon entourage et ce que moi-même j'ai vécu, quoi. Alors, quand vous venez au Canada, soit quand vous vivez ici au Canada, la première chose est de voir ce que vous voulez, ce que vous aimez faire. Et tant que vous avez cliqué, vous cliquez sur la chose que vous voulez, vous avez déjà l'idée sur la chose que vous voulez, posez-vous des questions. Est-ce que l'emploi que vous voulez faire a de l'avenir? Est-ce que le travail que vous voulez entreprendre a de l'avenir? Est-ce qu'il y a du travail dedans? Surtout les gens qui veulent se certifier dans des emplois, dans des services là. Par exemple, aujourd'hui, les jobs qui font vraiment des booms ici au Canada sont des jobs de travail de métier. Des travaux de métier comme maçonnerie, plombier, menuiserie, mécanicien. Tous ces travaux-là, ça donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Par exemple, si je prenais un plombier certifié souvent, tous les certifiés, plombiers, menuisiers, maçons, mécaniciens, même électriciens, ils ont presque le barème salarial qui est presque moyen, environ 35 dollars par heure. À 40, ça dépend d'une compagnie à l'autre, mais je dis la moyenne c'est à peu près 35 dollars. Et imaginez-vous quelqu'un qui a fait seulement une certification et se tape par heure 35 dollars de l'heure. Imaginez-vous que quelqu'un qui a gâté ça, une personne qui a les problèmes de toilette, soit sa douche, et il veut un service de toi. Ici, vraiment au Canada, les services qu'on demande souvent, le paiement minimum pour un service, c'est à peu près 4 heures de temps. Minimum, c'est 4 heures de temps. Et le travail que les gens font souvent, les plombiers, disons que votre douche a un petit problème. Pour réparer une douche, peut-être ça ne demande pas beaucoup de grandes choses. Mais comme le minimum d'heures de service, c'est 4 heures d'état. Dis-toi que par heure, les salaires minimum qu'on demande par heure, c'est 60 dollars, je crois. 60 dollars. Il y a des compagnies qui demandent 100 dollars par heure. Ce sont des minimums.
Et ça dépend d'une compagnie à d'autres. Et la sorte de service que vous demandez pour votre douche, soit votre toilette. Imaginez-vous que le travail que le plombier va faire, qui va lui prendre peut-être 30 minutes, soit une heure d'état, même 2 heures d'état. Dans 2 heures d'état, et il vous a demandé minimum ces 4 heures d'état du travail. Il vous a chargé 60$ par heure, vous devez payer d'abord 240$. C'est déjà minimum 4 heures d'état. Et s'il fait effectuer le travail à moins de 4 heures d'état, d'abord par jour, dès qu'il quitte ta maison, il a déjà 240$. Si c'est le moins moyennant 60$ par heure, il a déjà 240$ juste sur la table, automatiquement. Et si le travail était plus de 4 heures de temps, soit 5 heures, 6 heures de temps, vous multipliez 60 fois 5, soit fois 6, c'est déjà 360$. Comme ça, pendant qu'un docteur a sociologie, un licencié, je ne sais pas, en mathématiques, il y a d'autres qui ne sont même pas capables à se taper les $300 par jour. Vous voyez? Et si ce plombier, par exemple, avait des travaux différents dans un coin et dans l'autre coin, automatiquement, il a presque $600 par jour. Alors, les travaux demain, ce ne sont pas des travaux à négliger ici en Occident. Et d'autres comme par exemple, la menuiserie. Ici au Canada, on n'appelle pas menuiserie, on l'appelle carpentry. Et aux États-Unis, c'est la même chose, carpentry. Imaginez-vous, vous avez votre allée, votre parcelle dans l'allée a des problèmes. Vous voulez faire des landscaping pour mettre un peu de l'ordre. Soit votre maison y a des problèmes, vous allez changer de drywall. Vous voulez changer peut-être le molding en bas, soit à côté des fenêtres, soit des portes. C'est la même chose, il va vous charger toujours minimum d'air plus le coût de matériel. Donc il y a beaucoup de choses. Un menuisier peut quitter dans votre maison avec facilement $1,000 un jour, peut-être pour 3-4 heures d'état, il a $1,000 comme ça. Alors les travaux de main, ce ne sont pas des travaux à négliger. Ici, surtout en Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, je n'ai pas d'expertise, mais vraiment en Australie, soit en Europe. Je parle de ce que j'ai vu, soit ce que j'ai vécu ici en Occident, précisément en Amérique du Nord. Quand on prend un électricien également, puisque toute chose est régularisée ici, on régularise tout. Tu ne peux pas faire des choses selon tes sentiments, tu ne peux pas faire les choses parce que toi tu sais les faire. Si tu n'es pas certifié, soit une qualification, tu n'es pas autorisé. Et si on découvre que tu l'as fait sans autorisation, sans qualification, tu risques d'avoir des fines, des fines. Alors, un électricien également, c'est la même chose. C'est pour cela que quand quelqu'un veut étudier, soit entreprendre une carrière qui va vraiment compromettre, qui va avoir des bénéfices dans la vie, dans la vie future, il faut bien regarder, bien étudier les milieux et bien étudier aussi le coût de marché de votre travail, puisqu'il y a des travaux qui sont seulement là pendant peut-être 3 ans, dans 6, 7 ans, il n'y aura pas de demande. Alors il faut faire bien attention quand vous faites de telles choses. Par exemple, la plomberie, il y aura toujours une demande, puisque les gens vivront toujours, les gens auront des toilettes, les gens auront des douches, il y aura toujours des tuyaux à changer, donc le travail sera là. Vous comprenez? Quelqu'un qui m'appelle. Et pendant que d'autres services passaient, par exemple sociologie, ce sont des emplois qui n'ont pas un avenir vraiment garanti, selon moi, comparé au travail comme de la plomberie, électricité, de menuiserie, ici comme carpentry, les maisons seront toujours construites, il y aura toujours déjà qui auront toujours besoin de maisons. Il y aura des maisons à rénovation. Il y aura toujours des choses à faire avec. Quand il s'agit de services de mail, il y aura toujours
des jobs là-dedans. Alors, avant d'envoyer vos enfants à l'école, donnez aux enfants la chance de réfléchir sur ce qu'ils vont faire. Puisque ici en Occident, on ne néglige pas quelqu'un dû au travail qu'il fait. Ici, on respecte tout le monde. Quoi que tu fais, quoi que tu fasses dans la vie, on te respecte. Ce n'est pas parce que tu es plombier qu'un licencié, je ne sais pas, en mathématiques doit te négliger. Ce n'est pas parce que tu es charpentier que je ne sais pas qui va te négliger. On respecte tout le monde. On donne tout le monde est valable. Tout le monde a sa place dans la société. On n'est pas dans un coin où on minimise tout, on ne respecte pas tout. Ici, on donne quand même du respect à tout ce que tu fais, à tout ce qu'on entreprend. Le gouvernement a toujours valorisé tout le monde. Tout le monde est sur le même échelon de la vie. La vidéo ici n'est pas vraie.